Dans le cadre de l'École de la mer et du développement durable, j'interviens trois fois en classe où je présente les fonds marins de la Méditerranée proche de Sanary, devant Sanary, les habitants des fonds marins. Je leur parle aussi du développement durable, bien sûr, sur la commune de Sanary et sur les communes alentours. Et aujourd'hui, ils viennent découvrir en palme, masque, tuba, avec une combinaison. Ils viennent découvrir le sentier sous-marin de Sanary. Donc, ils viennent découvrir les habitants et les habitats, c'est-à-dire la végétation qu'il y a sur le fond. Au cours de la dernière séance, tous les enfants font un exposé très court sur un animal de la Méditerranée de chez nous. L'école de la mer a débuté en 2007 déjà, à Portisol, avec les écoles de Sanary. L'école de la mer se déroule sur deux sites, le sentier sous-marin du port d'Alon sur la commune de Saint-Cyr et sur le sentier sous-marin de Portisol sur la commune de Sanary bien sûr. Cette année, c'est 43 classes de l'agglo qui participent à l'école de la mer, principalement des classes de grande section de maternelle, c'est le cycle 1, et des CM2 du cycle 3. Nous avons deux partenaires sur le projet École de la mer, CPIE et Carte Océan, donc ils se partagent les 43 classes. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les élèves participent avant de se rendre sur le sentier de Port d'Alon ou de Portisol, se rendent à la piscine de Sanary pour effectuer des tests qu'on appelle les tests savoir nager, qui sont importants, le test anti-panique. Et surtout, tous les élèves nagent 40 mètres minimum. La plupart, à part sur toutes les classes qui participent, 2-3 élèves n'ont pas réussi le test. Mais on peut dire que tous les élèves de CM2 de l'agglo savent nager.